comme tous les Tchadiens, je suis déçu parce que nous on a espéré voir le Tchad participer une fois au moins à ces éditions de la CAN. Malheureusement, on est retombé dans les mêmes travers et une fois de plus, on ne participe pas à la CAN et c'est vraiment dommage. Moi, je suis très déçu. Si le Tchad ne participe pas cette année à la CAN 2022, c'est juste parce qu'ils n'ont pas su travailler. Ils n'ont pas su donner leur volonté à 100% pour participer à cette CAN. Et je pense que s'ils y mettaient un peu plus de la volonté, ils pourront le faire. Très franchement, je ne vois pas le Tchad participer à la CAN 2023. Déjà parce que les conditions ne sont pas réunies. Pour cela, il faut d'abord qu'on réorganise le championnat. Il faut qu'on élève un peu le niveau du championnat. Il faut qu'on fasse les états généraux de football. Qu'on mette les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Des travailleurs qui vont rehausser le niveau de notre football. Sinon, je ne vois pas le Tchad à la CAN 2023. Comme quelqu'un l'a dit, l'espoir, c'est ce qui fait vivre. Alors, on a l'espoir, nous, peuple tchadien, qu'à la CAN 2023, nos joueurs peuvent y participer. Et tout ce que je peux donner comme conseil aux joueurs tchadien, c'est qu'il faut qu'ils travaillent dur. Parce que dans la vie, rien ne se donne gratuitement. Qui veut obtenir doit travailler. C'est le sacrifice qui compte.